Pour une nuit d'amour, chapitre 3, partie 5. Souvent, une querelle les secouait, s'injuriant l'un l'autre à voix basse, d'autant plus tremblant de colère qu'ils ne pouvaient céder à l'envie de crier et de se battre. Justement, un soir, avant le dîner, Colombel était venue. Puis, comme il marchait par la chambre, nu-pieds encore et en manches de chemise, il avait eu l'idée de saisir Thérèse, de la soulever ainsi que font les Hercules de foire au début d'une lutte. Thérèse voulut se dégager en disant « Laisse, tu sais que je suis plus forte que toi, je te ferai du mal. » Colombelle eut un petit rire. « Eh bien, fais-moi du mal, » murmura-t-il. Il la secouait toujours pour la battre. Alors elle ferma les bras. Il jouait souvent à ce jeu par un besoin de bataille. Le plus souvent, c'était Colombelle qui tombait à la renverse sur le tapis, suffoquée, les membres mous et abandonnés. Il était trop petit. Elle le ramassait, l'étouffait contre elle d'un geste de géante. Mais ce jour-là, Thérèse glissa sur les genoux. Et Colombelle, d'un élan brusque, la renversa. Lui, debout, triomphait. « Tu vois bien que tu n'es pas la plus forte !» dit-il d'un rire insultant. Elle était devenue livide, elle se releva lentement et, muette, le reprit. Agité d'un tel tremblement de colère que lui-même eut un frisson. Oh, l'étouffer, en finir avec lui, la voir là, inerte, à jamais vaincue. Pendant une minute, ils luttèrent sans une parole, la laine courte, les membres craquant sous leur étreinte. Ce n'était plus un jeu. Un souffle froid d'homicide battait leur tête. Ils se mit à râler. Elle, craignant qu'on les entendît, le poussa dans un dernier et terrible effort et la tempe heurta l'angle de la commode. Il s'allongea lourdement par terre.